C'est bon. Bon. Voilà. J'ai arrêté l'enregistrement en parallèle. Incompréhensible ce qui se passe là. Depuis la mise à jour OBS, c'est le bordel. Heureux. C'est pas mieux. Je suppose que de votre côté, ça lag aussi. Allez. Non non, ça freeze direct. Alors attends, on va croiser les doigts. Voilà. Problème, c'est que j'ai aussi Twitch qui déconne. C'est génial. Bon, le problème de base reste le même, hein. Faut que j'upgrade ma machine. Ça, c'est. Voilà. Ça a l'air, voilà, ça a l'air de revenir petit à petit. Je vais attendre un petit peu. Ça a l'air d'être bon. Désolé pour ça. Bon, le stream sera encore en 4 ou 5 parties. Voilà. Là, c'est bon, ça tourne. Peut-être baisser un petit peu le débit. J'ai arrêté aussi l'enregistrement vidéo en parallèle. Je pense que ça pompe des ressources. Voilà. Allez, c'est parti pour l'arène. On va taper du dresseur pour se changer les idées. Et re tout le monde. On souhaitait attendre à un moment donné, Mikey, voilà ce que je te disais. Il y avait la dernière musique qu'on a attendue, c'était une musique de quand tu remixais et que tu entends dans My Hero Academia. Si t'aimes bien les mangas où il y a des bonnes musiques, je pense que tu vas aimer là. Allez, premier dresseur. Ouais, merci Kill, j'ai vu, je te réponds après le stream. Ok, Lector. On va faire yoga, peut-être ils sont déjà niveau 44. Ou que ça va être dur. Ok, on tank bien. Coup critique, tranquille. Voilà, on prend beaucoup d'expérience. On a Fantominus après. Fantominus, j'ai pas trop peur lui. Allez, séisme. Parfait. Et Pifeuille pour terminer. Ça va. Ça va, tranquille. J'ai pas racheté des objets. On va faire ça tout de suite. Ouais. Ok. Bon, ça j'ai. Les roms, t'en fais pas, c'est pas un problème. Pas du tout un problème pour les roms. Alors attends. On va faire ça. Hop. Alors, Crystal Dust, ça je peux le trouver, ça. C'est pas le plus compliqué, mais. Ouais, petit ravi dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ah, il y a encore des coups de lag, je fais rien là. Oh, mais ça me gave. On n'a rien eu pendant des semaines. Oh, pendant, ouais, presque un mois. Là, ça repart en sucette, quoi. Ah, c'est pas possible, ça.
Là, j'en ai en acheté par anticipation. On aura besoin. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah. Ouais, tu sais, c'est pas très compliqué, hein. 2G, 3G. C'est pas si dur que ça, hein. Même si t'as jamais fait, tu vas vite te repérer, hein. Alors. Donc lui, on l'a fait à gauche, hein. J'aurais pu en profiter pour me soigner. On va être feignant. Et on va utiliser super potion. Hop. Le seul avantage de ce souci là de relance, c'est que ça m'a permis de finir mon bol rapidement. Ok. Allez, deuxième combat. Hop là, j'ai encore touché l'écran. J'ai encore déréglé mon écran. Bon, c'est bon. Ok, il me reste niveau 49. Et la sécheresse en plus. On va faire yoga. Je vais regarder combien ça fait là. Ouais, 21. On va refaire yoga. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, ça peut être intéressant. Les extrêmes, ça devrait aller ça. Je suis désolé. Je sors 2 secondes du champ de la caméra. Voilà, désolé. Un morceau de saucisson coincé entre les dents, c'est très embêtant. Voilà. Niveau 44, ça c'est bien. Matruidal qui prend petit à petit du niveau. On a Dynavolt qui va sortir, c'est pas du tout tanky. Ouais, mais pourquoi pas dans le défi, comme tu dis, tu te donnes une limite de temps et puis. Ça peut être intéressant. France, Autriche et Pays-Bas. Tu veux dire que c'est la poule qu'on a ? C'est étonnant ça. Qu'on retombe sur les Pays-Bas, je trouve ça étonnant. C'est vraiment notre poule. Ah, c'est bizarre quoi. Ok, le dresseur est vaincu. Qu'on va être Batista pardon, en tête. On soignera avant de combattre Koga, hein, bien évidemment. Bon, après, je te crois, hein, mais. Moi, il me semblait justement qu'on pouvait pas retomber si on était tombé déjà dans la phase éliminatoire, enfin préliminaire. C'est vrai qu'il y avait une règle comme ça, alors peut-être je me trompe. Hein. Bon, en tout cas, bon, Pays-Bas, on peut les battre largement. Autriche, c'est à notre portée. Et on verra la quatrième équipe, mais bon, on a une poule. Si on n'arrive pas à sortir là pour l'instant, c'est qu'on n'est pas bon. Hein. Ok, chargeur, on fait surf, a pas des gros stats Raichu, donc normalement, bah, ça ne tue pas, mais normalement, ça refait chargeur. Oh, Tidorfa qui lance un raid. J'ai les alertes en cadeau. Bienvenue au raider, le stream va laguer. J'annonce, le stream va laguer. Et il lag. Bienvenue à tout le monde, désolé pour le coup de lag. J'ai des gros soucis aujourd'hui. Ah putain, ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse aujourd'hui. C'est pas grave. Alors, bienvenue à tous, bienvenue au Raider. Hop, moi j'ai commencé à préparer le changement de scène. Tac. Ouais, non, aujourd'hui j'ai des gros soucis. Bon, j'ai changé de machine. Ça c'est certain. J'ai même pas vu ce qu'elle a envoyé. Même pas vu. Et bienvenue à tous, du coup, bienvenue à tous, bienvenue au Raider. Bah voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Tenza Zangetsu.
Tu fais, bah voilà, de samedi, c'est du Pokémon en randomize habituellement. Et là, on fait un Nuzlocke randomize sur Rougecheveu. Voilà, le vendredi, c'est plutôt du Mario. Et le dimanche, c'est du Smash. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et bah, du coup, dès que je finis ce combat, je te ferai un autre SO pour qu'on voit un petit peu tes clips. Ça permettra à ceux de ma chaîne de venir te connaître. Voilà, hop. Donc j'essaie de vite le finir, ce combat Ampiflore. Hein. Si j'ai bien vu, c'est Ampiflore qui va envoyer. Je vais pas prendre de risque. Oh, salut Omega, comment tu vas? Ça fait vraiment qu'on s'est pas vu, Omega. Comment tu vas depuis le temps? Comment tu vas? Hop là, Ampiflore, on va faire vol. Nuzlocke, oui, bah oui. Ouais, ouais, mais après chacun joue comme il veut. C'est vrai que moi, après, vu que j'ai fait tous les jeux, je me suis dit, tiens, c'est un peu Fridor, hein, le modérateur ici sur cette chaîne, qui m'a donné l'envie. Voilà. Mais après, même quand tu joues de Chim, hein, tu sais, il y a des streams. Eh bah écoute, un grand merci Omega. Un grand merci. Voilà. Eh bah, ça montre que même si on s'est pas vu depuis un moment, bah voilà, ça me fait plaisir. Ça veut dire que au moins tu. Bah d'un certain côté t'as aimé le contenu et que tu m'as conseillé, donc ça j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. On va essayer de le finir ce dresseur là. Ah bien sûr, il rate vol. Voilà un petit. Écoute, ça va bien mes gars. Un peu fatigué, mais ça va. Bientôt les vacances, c'est ce que je me dis. Allez, 2 semaines c'est les vacances. Voilà. Mets tes lunettes. Ah purée. On va faire point d'art, non, ça va être bon, on va switcher, pas bien grave, on va diviser l'expérience. Et oui, le corps sain. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas les règles du Nuzlocke, voilà, on voit la petite annonce pour vous rappeler qu'il y a la commande qui permet d'expliquer un petit peu ce que c'est un Nuzlocke. Allez, je crois qu'il en reste un derrière, hein. J'ai bien vu. Ouais, Arcane. Hein. On va pas bouger. La commande. Ah oui, tu ne sais pas. Effectivement. Merci Omega, voilà. Voilà pourquoi ta présence est précieuse. Ok, merci Fridor pour le point tirage au sort. Désolé. Voilà. Et là, le combat est terminé, c'est parfait. Du coup, je vais faire le switch de scène maintenant. Même le switch de scène, il est lagué. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Alors, on va refaire le SO. Je vais essayer de récupérer la commande de Stream Elements. Ah, bah non. Tidorfa. Voilà. Tidorfa. Bien écrit. C'est bien écrit. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Tidorfa, voilà, bon ça va laguer forcément parce que la commande est passée par là. J'ai rien qui va. Toujours le J'ai rien qui va. Toujours, quand tu veux. Big the Cat. Et le clip, j'ai pas l'impression qu'il est. Delbator, je te retiendrai comme mon premier raid. De rien. Ah si. Qui aime pêcher. Ah mais j'ai tout qui au ralenti aujourd'hui, je suis désolé. C'est pas du tout ce que j'espérais en termes de qualité. Alors, soyons honnêtes, à la fois le je suis désolé, je suis un peu dégoûté. Pire personnage de tout Sonic Adventure. Ouais, tout premier. Écoute, je vais essayer d'en refaire un autre, en espérant que ça se passe mieux le deuxième. Hop. Voilà, il est terminé, mais en fait, ouais, non, mais même ça, c'est lagué. En fait, j'ai l'impression que j'ai un autre problème. On va réessayer. Alors c'est un joueur, ah oui, let's go, à Pokémon let's go, oui. Ah, il est pas mal ce jeu. Ouais. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Ok. Voilà, n'hésitez pas à soutenir. Voilà, pour remercier de ce raid. Et voilà. Voilà donc, moi je vais faire ça tout de suite d'ailleurs, tiens. Elle est trop mignonne. On va faire ça tout de suite, même si le stream ne va pas aimer. Hop, je vais refaire la transition comme ça, je vais revenir. Cliquer sur la personne, c'est mieux. Tac, on va lâcher un petit follow quand même. Ça au moins, ça permet
permettra aussi de voir ce que tu fais, comme ça je passerai voir un peu ce que tu fais aussi. Et merci pour le follow. Le mien il est en train d'arriver, vous n'en faites pas. Allez, aidez. Ta charme, ah purée. Bon, je vais redémarrer mon Mac là. Ah, attends. Ah oui, effectivement, forcément. Oh là là. C'est bon. Hop. Voilà, je suis désolé, ça a encore peut-être lagouillé. Oui, ça a complètement lagouillé. De rien. J'essaie de remercier comme je peux. Pas de soucis, mais encore merci pour le raid. Et puis écoute, bonne soirée à toi. Hein. Bonne soirée à toi. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, ce sera mieux de mon côté. Voilà. Ah, Fridor qui déclenche la roue de la torture. Alors, la roue de la torture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept assez particulier puisque cette roue permet de débloquer une des récompenses disponibles pour Pokémon. Et bonne soirée à toi, Tidorfa, encore merci beaucoup. Donc ça permet de débloquer une des récompenses et on va la lancer du coup. Je ne suis pas du tout préparé, donc du coup, hop. Fridor lance la roue de la torture. Hop, voilà, ça a chargé. Je vais la lancer. J'espère que c'est bon. Ouais, j'ai le... C'est la gouille grave. Ah putain. J'ai un gros souci aujourd'hui. Ah, je suis dégoûté. Alors la roue elle tourne, je vous rassure. Prends son temps. Sur quoi il va tomber, Fridor? Sur quoi il va tomber? Sur quoi il va tomber? Il va tomber sur la récompense vert pomme. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Je suis désolé, putain. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et la vert pomme, c'est une pause s'impose. Donc, une pause s'impose, pour appeler la commande. Le premier Pokémon de mon équipe sera, du coup, mis dans une boîte. Hein, ramené à la boîte. Voilà, c'est une commande à 1000 points de chaîne. Là, t'as rien perdu. Et ça dure pendant 30 minutes. Là, pendant 30 minutes, ce Pokémon, je ne peux plus l'utiliser. Ça peut être embêtant en vue de la prochaine arène, parce que c'est Batista, du coup, qui va devoir aller se reposer. Hop, on va valider. Voilà, je joue la commande moi-même, comme ça, au moins, ça permet de voir que la commande est en cours. Tac, on va terminer tout ça. Oui, ça peut être très important, même. Hop, je vais essayer de préparer l'overlay. J'espère que l'overlay va se charger. J'espère. Le countdown. Settings. En tout cas, aujourd'hui, non, il faut que je redémarre. Je vais redémarrer la machine pour demain. Là, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Ça a pas arrêté de déconner, quoi. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois passé sur le nouveau dock, qu'il y ait 4 écrans d'un seul coup à gérer? Bah voilà, là, ça relag. J'ai fait 3 conneries. Je suis revenu en arrière! Voilà. On va essayer quand même d'afficher tout ça. Voilà. Attends. Faire ça. Ça. Bah oui, du coup, masqué. Pour la torture, faut que je le démasque. Voilà. Ok. Si lui, je fais juste un petit refresh. Ah ouais. Un Smogogo sauvage apparaît. En train de se refresh, voilà. Donc vu que ça se refresh, ça fout tout en l'air. Voilà, c'est bon, ça a l'air d'être revenu. Je sens que ça va me faire comme la semaine dernière. Alors le truc qui met 3 plombes, je commence à préparer le minuteur. Bon. Faire transition, voilà, comme ça il me passe le truc affiché. Ça apparaîtra quand ça apparaîtra à toi. Je lance le chrono. Normalement, il y a un bandeau en haut qui est censé vous afficher
vous affichez du coup la commande, l'effet en cours. Donc avant, on va aller hop, ici. Voilà, moi j'ai lancé le chrono, hein, donc tant pis, on sera déphasé de chrono, tant pis. Mais là, on va pas attendre 107 ans que ça s'affiche, ça ne veut pas. Et en fait, moi je trouve que c'est depuis que j'ai pris la dernière version d'OBS, j'ai de plus en plus de problèmes. Je sais pas pourquoi. Peut-être essayer de baisser le débit vidéo, tant pis, ce sera peut-être un peu moins quali, mais... voilà, je pense que c'est la seule solution qui me reste maintenant. Redémarrer la machine, et j'ai pas... Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas... mis... le Pokémon suscité en boîte. Voilà, notre ami du coup Batista, qui pendant une demi-heure va devoir se reposer. Voilà. C'est toujours pas affiché hein, sur mon OBS. Hein. Je suis en train de regarder mon OBS du coin de l'œil. Toujours pas. C'est perdu dans... voilà, dans les méandres de l'actualisation. Allez, combat. Ici même. Alors du coup, si... ah bah, il faut que je change de Pokémon de tête. On va prendre que 5 Pokémon. Hein. Du coup, bah non, c'était bon. C'est Rikishi qu'il faut mettre en tête. Voilà. Allez, go! Combat Pokémon! Il nous reste encore 2-3 dresseurs, je crois, de toute façon, dans l'arène. Ok, crise acier, ça c'est plutôt pas mal. Éboulement, ça devrait faire l'affaire. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont tous niveau 43, quoi. Ça veut dire que Koga, potentiellement, il peut avoir un Pokémon qui est pas loin du niveau 100. 50, pardon, niveau 100, oui, bien sûr. On va rester Corailon parce que notre Grolem il a Absorbo. On va en profiter. On va faire Osmerang. Allez. Sur le Pokémon de plus haut niveau, oui. Voilà, on va rester aussi Roigada. Il n'y a que ses attaques de type Psy éventuellement. Allez, Osmerang. Bah, par ici, ouais, justement, c'est ce qu'on comptait faire. Ça tombe bien. T'es sûr de ton coup là? Ça me paraît un peu élevé. Honnêtement, ça me paraît un peu élevé. Ok. Ah bah tiens, encore à Rwagada. Tiens, parfait. Ah! Et lui, éclat. Ah, faire mal ça. Ouais, il baisse la défense spéciale. Donc, je vais pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. On va envoyer Roman Reigns. Oh, il arrête pas de bouger, ça m'énerve. Faut que je le resserre derrière. Ok, ouais, Lumi Éclat m'a fait moins, ouais, 42 PV. Ça va pas baisser la défense SP, on va faire point d'art. Point d'art qui fait pas beaucoup de dégâts. Il a étincelle. Il sera neutre aussi. Il paralyse. Merde. Ça j'aime moins. Ça j'aime beaucoup moins. Je vais essayer vol. Lumi Éclat. Bon, normalement on est à l'abri d'un coup critique. Eh ouais, paralysé, bien évidemment. Bien évidemment, on l'a paralysé au plus mauvais moment. Donc, on va re-switcher. On va aller se soigner après, du coup. Madridol, hein, je vais pas prendre de risque. Madridol, vitesse extrême. Allez, Lumi Éclat encore. Oh la vache! Défensivement, il devrait moins tanker là quand même. Ouais, c'est bon.
C'est bon, dernier Pokémon vaincu. Bon, on a divisé un peu l'expérience, c'est pas bien grave. On va aller se soigner d'urgence. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est pas faux. C'est pas faux parce que... Et ben voilà, c'est en train d'apparaître. Ça apparaît à moitié. C'est merveilleux. Donc là, bon, on a 2 minutes d'écart sur le chrono, c'est pas bien grave, à la limite, ça. Mais je n'ai pas la totalité de l'overlay. J'essaie de... Et qui apparaît très mal. Je sais pas ce qui se passe, honnêtement, je sais pas ce qui se passe, là. J'ai refait un actualisé là du truc parce que. Alors on va prendre Alex Abyss, ça a quoi comme attaque? Point ombre, ouais. On va prendre Alex Abyss. En fait je sais pas qui prendre en fusible. Pardon. Je sais pas trop parce que... Enfin, Rattata qui éventuellement pour avoir le temps de poser... Ouais, on va essayer. On va prendre Rattata et si jamais il a une opportunité, il nous pose Mur Lumière. Parce qu'on a une équipe qui est plutôt faible au niveau du spécial. Ben voilà, ça paraît comme il faut. Bon, le chrono sera déphasé, hein, je suis désolé. Voilà. Voilà à quoi ça doit ressembler quand il y a une commande en cours. Maintenant, vous le voyez. Du coup, on va... J'ai bien soigné, hein, j'ai pas fait de conneries. Hein. Oui, j'ai soigné. On va faire... Il me reste quoi? 2 dresseurs là à combattre. Il reste lui, l'autre au-dessus. On va faire lui d'abord, et on fera l'autre après. Oh bah ça commence avec Latios, tiens. Rien que ça. Ouais, on va essayer Machouille, hein. La Dracogriffe. Oh bon, Mindcot. Oh là 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 là. Bah, je crois que le fusible, il va sauter maintenant. Hein. Je crois que le fusible, c'est pour maintenant. J'ai bien fait d'envoyer un fusible. Ouais, là, l'absence de Batista va être très dommageable. Oh putain. Là, clairement, on est sur un run killer là. Je me demande si. Oh putain, il a point. Il a pose sport. Otaria. Je vais prendre le risque d'envoyer Rikishi. Oh là là. Oh là 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 là. J'espère qu'il a pas une attaque de type glace. J'espère. Rafale feu. Ça me fait que dalle. On va en profiter. On va faire Osmerang. Bah là, honnêtement, on aurait eu Batista, le Lagron, et là, ça se remet à déconner. Ah, Noctali. Il n'y a aucune raison là que ça lag. Aucune. C'est quoi qui se passe aujourd'hui là?
mais là, sérieux, quoi. Ah, il a l'aile d'acier. Ok, on tank. Je pense qu'on en... Oh, j'ai même pas fait l'arène. Je pense que je vais arrêter là, le stream, ça sert strictement à rien. Ah, l'enfoiré. Là, il n'y a aucune raison que ça se mette à laguer comme ça a fait. Ouais, non, mais là, c'est... incompréhensible. Ouais, là, c'est revenu. Là, c'est revenu, voilà. Très bien, nickel. Allez, on va se soigner. Oh là là... faire double soin. Oh, mais là ça m'énerve. Ça m'énerve parce que hier ça marchait nickel. T'étais là, Fridor, t'as bien vu que ça marchait nickel. Là, pourquoi? Il y a aucune raison. J'ai rien qui tourne en fond. J'ai. Enfin, là je comprends plus rien. Là. Ça devait être un truc là tranquille. Ah, ça, c'est incroyable. Alors certes, il faut que je change de machine, ça c'est certain. Ça c'est en cours. Et là, oh. J'ai le même setup que la semaine dernière. Enfin, je sais pas quoi. Le truc qui change, ouais, si, c'est que oui, j'ai peut-être un écran en plus. Alors est-ce que c'est pas ça? Le fait qu'en plus je sois sur émulateur, que je fasse la capture de mon propre écran. Est-ce que c'est pas ça qui fout le bordel? Je sais pas. On a clairement officiellement 7 minutes d'écart entre mon chrono et le chrono ici. Je suis désolé, Fridor, hein, donc du coup... je vais quand même essayer d'avancer. Là, ça a l'air de tourner. On va essayer. Eh oui, par contre, j'ai soigné, mais... Oui, non, Hulk Hogan, il est mort. Hulk Hogan, il est mort. Hop, Hulk Hogan, du coup. Bah, l'autre fusible, ce sera Zigzaton. Hein. Bah, ça, hein. Il sert à rien, lui aussi. Hop, allez, Zigzaton. Et puis, on va espérer faire le prochain combat. Parce que je crois qu'il reste qu'un combat. Après, c'est le champion. Sinon, je fais du farming pour monter à peu près niveau 50, hein. Faire ça aussi. Mais là par contre je comprends pas, je comprends rien du tout. Ouais bah écoute, Ulkamania dans la boîte, hein. Dans la boîte. Il nous embête. Pardon, il nous embêtera plus. Allez. Ok, on commence à être Onyx. Ouais, Onyx, on devrait s'en sortir quand même. Là, par contre... Et là, je comprends plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rebaisser le débit pour le prochain stream. Dans un premier temps. On va essayer ça. En attendant d'avoir la nouvelle machine. Je vois que ça. Ou alors, c'est vrai que j'ai peut-être un autre réglage qui a bougé. Ok, Galekid. Galekid, on va envoyer John Cena. Je vais essayer de le capturer aussi, mais je pense que ça va être une mauvaise idée. Voilà. Stratopercute. Voilà. Je suis revenu
un mois, voire deux mois en arrière avant que je passe sur OBS. Là, je comprends pas. Oh, on a Lugia. Oh, on a Lugia. On va rester. On va lui faire jet de sable. Ça manquerait plus qu'on perde un autre Pokémon. Oh, il fait préscience. Oh, il fait préscience. On va faire jet de sable, hein. Ok, ils paraissent. Nu, hein. Je pense que ça va me faire de gros dégâts. Ça va, c'est correct. Et GG Fridor pour la Coquac. On va refaire coupe, hein. Plénitude. Vas-y, continue. Ouais, prochain coup. Il est KO, il a pas lancé d'attaque. Oh non, faut pas la rater celle-là. Bon, ça va, c'était son tour de paresse, mais il faut conclure l'action là, John Cena. Voyons. Allez. Du coup, on va mettre John Cena en tête. On va aller soigner une nouvelle fois. On a Chavo Guerrero qui est là, qui peut servir. Alors, je vais accélérer un peu le temps, je suis désolé. Voilà. Si ça tient comme ça, voilà. Tant qu'il n'y a pas de gros coups comme on a eu tout à l'heure, on restera comme ça. Et si j'ai encore un gros coup de lag, là, je pense que ce sera la fin du stream. Tant pis. Ça arrêtera là. Voilà. Et là, on a battu tout le monde. Hein. Du coup, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué que je regarde. La John Cena en tête. Pas une sauvegarde. Ok, allez. C'est parti. Je vais même pas lire le texte, ouais, je suis même plus... Ça me fait un peu chier cette histoire là, de ce qui s'est passé là avec le stream qui se met à laguer sans raison. Bah tiens. Allez, John Cena contre John Cena. On va faire Stratopercute, hein. Ouais, oh putain, quasiment one shot. Et Corardan qui ne tape pas. Et lui, il va me one shot. Il va me one shot. Il va me one shot. Oh putain. John Cena, voilà. Et bah voilà, Corardan, hein. On va mettre Roman Reigns. Et je viens de capter que en fait c'était Roman Reigns qu'il fallait mettre. Feu Forev. On va rester. Ouais bah là. Faire un danse Draco. On va essayer de se booster. Là, et les canons. Alors, on devrait... Non, on va jamais tanker ça. Non. Non, beaucoup trop risqué. Et les canons, ça me touche avec l'écart de niveau. Un plus un déjà sur Roman Reigns, c'est pas mal. Hein. Grumble, tu vois, Grumble... C'est pas tanky, hein. Il reste 10 minutes à la commande, hein. Niveau 51. Vol. On est plus rapide. Pirate verrouillage. Oh putain, il fait verrouillage. Bon, même s'il a Bessitrus, il booste quoi? Son attaque. On va s'envoler. Putain, il a vitesse extrême. Moi, je suis mort. Je suis pas mort.
J'avais oublié qu'il y a vitesse extrême, lui. Et heureusement, vol ne rate pas. Oh là là. Allez, niveau 44, vas-y, prends. Le... Suicune, bien sûr. Qui va avoir une putain d'attaque glace, je le sens. Je vais switch. Un Suicune, ça aussi. Il faut que je remette d'aplomb. J'ai pas d'hyper potion, c'est ça le problème. Là, il me faudrait des hyper potions en fait. Là, il reste 3 Pokémon. Alors on va espérer qu'il fasse une attaque de statue bidon, un truc à la con. Voilà, on a déjà perdu John Cena. Buldo, ok. J'ai tenté un coup. J'espère qu'il a pas d'attaque glace, ni d'attaque plante. Il a Buldo. Il ne fait que Buldo. Vas-y, continue à faire Buldo. Continue. Moi, je vais faire Flash. Et implore. Ça fait que dalle. Voilà, on va faire Flash. On va jouer... Comme dirait Yuro, on va jouer PZ. Bagupsi, ça ne touche pas. S'il te plaît. Voilà. Ah oh mais là j'ai aucun scrupule là, on va jouer PZ total. Et Vagopsy, alors. Vagopsy, attention, c'est dégâts variables. Hein. Il m'a fait. Ouais, il m'a fait 52 PV. Et j'ai raté flash, je crois. Hein. J'ai raté flash. Ah, j'imagine même pas le conseil 4 là. Il va refaire. Ah putain. Voilà là 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 là. Allez. S'il te plaît, rate, bordel. Oh, méchant. Bon, on va tenter la chance. Je l'ai mis à moins 3 là quand même. Hein. Le mec, il a moins 4, il touche comme si de rien n'était. Et il me reste que 11 super potions, il reste 2 Pokémon derrière. Eh ben enfin! Allez, on se remet full life. Voilà. Voilà, enfin il rate ses attaques. Allez, Osmarang. Oh, ça lui fait 3 pixels de vie. Implore, ça rate. Ok. Ah, purée. Il booste son attaque spéciale. Non, son attaque. Il utilise une hyper potion. Très bien. Là, il a plus d'hyper potion, ça me va bien. Allez, encore, on continue. Implore qui rate, voilà. Là, on est bien, là. Ça, par contre, c'est moins bien, ça. Mettre ses lunettes, un peu. Voilà. Moi, ça aide pour toucher. Allez. Éboulement. Il a encore une hyper potion. Ouais, j'avais oublié. C'est vrai. C'est deux... Je crois qu'ils en ont deux, en fait. Ok. On va faire Osmarang. Vagupsy, ouais. C'est cette attaque-là qui me fait peur.
Vague Psy, c'est pas génial comme attaque, mais quand t'as une faible défense spéciale comme la mienne, ça peut être à double tranchant. Voilà, il rate tout là, c'est parfait. Allez, normalement c'est KO. Voilà, c'est KO. Je pense que sur ma team principale, j'ai été obligé de refaire un peu de farming parce que là. Hypocéan. Pas rester. Va rester, il est niveau 48. On va faire flash. Hydroblast. Merci pour les PV. Voilà. Je vais baisser sa précision au maximum. Voilà, Hydroblast, ça fait 2. Il rate souvent flash aussi. Hein. J'aurais pas dire, mais. Je rappelle plus le taux de précision de flash. Ah oui, un petit hydroblast, ça fait 3. En fait, c'est un flash 50%. Voilà. 50% de remise, c'est le. C'est plus le Black Friday, c'est le Crazy Saturday. Voilà. Ah mais. Non mais sérieux! Bien sûr, il a boosté son attaque. Bien évidemment. Voilà, on va lui baisser sa précision. Donc là, ça fait que 3. J'ai raté 3 flashs à la suite. Là, il booste son attaque. S'il a une attaque de type physique, ça peut être compliqué. Ah, mais ça ! Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible que je rate autant de flashs. C'est l'autre qui a pris des flashs, pas moi. C'est que dans un sens, flash. Voilà. Allez, on va faire au Smurang. Il refait stockage. Ouais, donc le prochain, normalement, ça tue. Il refait stockage. Stockage qui ne sert à rien si t'as pas les autres attaques à côté. Voilà! Et Registeel pour terminer. Registeel, qu'est-ce que j'ai contre ça? Lui va faire des attaques acier. Hein. En vrai, Matt Riddle. Hein. Matt Riddle, on va faire Yoga. On a Eucoq en plus. Ouais, y a que ça. Hein. Niveau 56. On est plus rapide. Déjà, ça c'est un bon point. Alors, on a fait plus 2. Parasport. À la limite, c'est pas trop grave. On va faire ça, ça évite un poison, une connerie. Que de faire. On le tank. Ok, c'est pas grave. Alors, on va passer à peu près 1000 life. Là, je vais faire Eucoq. Parce que là, il m'a fait ouais, 40 et quelques PV, donc... Il rate, voilà, il rate son queue de fer. On fait Eucoq, ça m'arrange. Normalement, ça devrait passer. Mais, je dis bien mais, vu le cul qu'on a depuis le début de ce Nuzlocke, je m'engage pas trop. Il baisse ma défense. Ça m'arrange pas. Parce que là, il va me faire du 60 PV. Donc normalement, on est à l'abri. Voilà, on est à l'abri d'un coup critique. Le séisme qui passe à plus 6 si ça ne tue pas. Là, je comprends plus rien. Voilà, c'est fait. Voilà. C'est gagné. Ouais, et pas des moindres. Pas des moindres, parce que Suicune, c'est pas si simple à vaincre, pardon. Voilà, j'ai fait un effet de caméra, le stream lag. Ouais, non, mais j'ai un gros souci. Là. C'était 6. Ok, alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a dans la CT. CT6, CT6, CT6. Pied brûleur. Et Rikishi peut la prendre. En vrai, alors, mais après, c'est du spécial. C'est du spécial. Donc c'est pas une bonne attaque. Bon. Voilà, le chrono vient de se terminer, Fridor, hein, je te l'annonce. Si même.
Donc, je vais retirer ça tout de suite de l'overlay. Voilà. Le stream va encore pas aimer. La preuve. Voilà, j'ai fait un truc, j'ai touché un truc, boum. Ah, oh, mais non, c'est pas possible. Bon, on va aller reconstituer l'équipe. On va aller direction Safrania. Ah, sérieux. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est revenu. Je vais redémarrer la machine pour demain. Je vais redémarrer la machine. Ça me fait bien chier. Je suis désolé, hein, je suis cru, mais... J'ai chez Freedor pour le Colohamar. Mais là, ça faisait 2 semaines où ça se passait très bien. Et là, d'un seul coup, donc déjà on va récupérer Batista. Ça, c'est un bon point. Hop, notre ami Chavo Guerrero qui aura pas fait long feu. On a presque une boîte complète de Pokémon. Voilà. Tous les Pokémon qu'on a eu là en Pokémon de zone, bah ils y sont passés. Clairement. Et puis on va mettre MVP dans l'équipe. Hein. Ça m'embête un peu, mais ouais, on va mettre lui. Hein. On va mettre lui. On va essayer de le faire évoluer hein, petit à petit. Donc on va repasser par une séance farming. Je suis désolé. Ça va être long une nouvelle fois. Ça va être chiant une nouvelle fois. Mais on a besoin de ça. Parce qu'il faut qu'on fasse évoluer. Et en plus, il évolue super tard lui. Hypo-séance, c'est niveau 40, je crois. Ouah, ça va être super long. En vrai, non. Ouais, mais j'ai pas le choix, parce que je peux pas capturer Hypo-Roi ou Hypo-Océan vu que je capture Hypo-Tramp. Non. Ah non, je suis obligé de le garder comme ça. Je suis obligé. Ah, oh, putain. Il a quoi comme moveset lui, comme talent? Absorb Volt! Oh, c'est banger ça. Oh, c'est banger. Okroupi, Lumière Éclat, Danse Plume, Vibraqua. Ouais, on va se soigner, hein, tant pis. On va se soigner, ça va être long. Rien tout de suite, mais il va falloir qu'on fasse du. Alors, il faut qu'on fasse de l'XP. En face de l'XP, je pense que je vais prendre des hyper potions aussi. Là, normalement, c'est Safrania. Ouais, l'hypotrampe Absorb Bolt. Oh, putain, j'ai une mouche là qui m'a emmerdé en plus. Donc là, c'est direction Safrania. Je pense que la Safe SRL, les dresseurs, ils ont des niveaux plus faibles. Ça pourrait être pas mal pour faire monter le niveau. Ouais. Écoute, faut bien un minimum de chance là depuis tout à l'heure, on n'en a pas quoi. Tant pis pour Hypotramp, hein. Tant pis. Oui non, en fait c'est comme ça. On va aller à la Scope Safe. Ça veut dire que du coup Morgane elle va être niveau 60 là. Ah c'est pas possible. On va essayer un dresseur, on va voir leur niveau, et sinon je fais du... Je ferai du... comment dire? Attends. Le cherche-objet, c'était combien de Pokémon qu'il fallait capturer? C'est pas 30? Non, pas cherche-objet, pardon, le multi-exp. C'est 50, je crois. 50. Alors, on va se faire comme ça. En espérant qu'il ait un Pokémon avec piège. Là, c'est Muerte Camel. Hein. Et Ambrilex. Ouais, niveau 33, ouais, ça va être beaucoup plus soft, quoi. Ouais, j'ai pas assez de niveau, là. On va mettre Batista. Ouais, c'est niveau 40, ça, c'est sûr. 40 ou 34? Un des deux. Ouais, mais lui, attends, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas du tout.
Allez, MVP. Mettrai à jour après Hippotrempin, hein, parce que là, on va éviter de perturber le stream. On va mettre Chris Jericho, qui n'a toujours pas combattu officiellement dans un match officiel. Crochet venin. C'est bien tenté, tu ne m'empoisonneras pas. Allez, allez repiquer. Allez, 200, voilà, Meditica. Meditica, ok, on va envoyer MVP. Ok. Hop, on va switcher. Ouais, ça lui permet quand même de progresser beaucoup plus vite. Alors, ça ralentit la progression de mes autres Pokémon, mais je pense que je vais faire une séance de farming général à un moment donné. Peut-être justement avant l'arène de Safrania. D'où elle vient cette mouche, mais elle va pas durer longtemps. Voilà, niveau 17. Voilà, on a en un combat, on a gagné un niveau, c'est très bien. On a Lupio qui apparaît. Voilà, on va faire ça. Allez, je me. Eh merde. Bon, elle a disparu. Allez, encore Jericho. Non, on y est Batista. Ce sera mieux. Et ouais, il a honte folie, j'avais oublié. J'ai oublié qu'il avait honte folie, lui. On va essayer avec le poison, hein. Voilà, parfait. Vraiment, ça one-shot aussi. Ok, le monsieur fait de la résistance. Pourquoi pas. On va faire honte boréale, on va... Oui, non, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi je me suis freeze, parce que j'ai cru à autre chose. Parfait. Voilà. Non, Otaria. Oh là là. Il en a des Pokémon, le monsieur. Il en a encore deux. Rien que ça. Batista. Là, il y a pas mal de dresseurs aussi à se faire, hein. Il y a pas mal de dresseurs, donc ça peut être très utile. Allez, étincelle, normalement ça one shot. En fait, je me dis que j'aurais dû faire 7 tours avant. J'aurais dû faire la safe avant. Oh purée, il a joli cœur. Un joli sourire. Laser glace qui va être neutre. Quelqu'un peut me rappeler les probabilités de gel de l'attaque laser glace, s'il vous plaît. Pour vous montrer à quel point je suis totalement malchanceux dans ce putain de jeu. Faut le dire. Là maintenant il y a l'amour. Il utilise quand même étincelle. Et bah heureusement. Heureusement. Non mais sérieux. Et le nombre de fois où j'ai été gelé durant cette tentative là, c'est incroyable. C'est inhumain même. C'est un truc complètement incompréhensible. Alors, Excellang. On va rester sur Batista. Hein. Canon, ça va faire 3 pixels de vie. On va faire Surf. Et du coup, attends, là j'y pense, je peux utiliser Surf là. Il faut que j'ai. Et oui, je peux utiliser Surf. Donc théoriquement, pour aller à la centrale, là. J'ai pas de Master Ball. J'ai pas de Master Ball. Et voilà, et là. Pour raison que j'ignore totalement. Eh, je sais plus, hein, j'ai un doute, hein. J'ai un doute. Ouais, on va aller se soigner, quoi que. Les objets. Je vais racheter après des potions. Voilà. Voilà. C'est pas possible. Je retombe dans les mêmes merdes que j'avais avec Streamlabs. Bah, c'est pas possible.
qu'il n'y a rien de ouf qui tourne, quoi. Ouais, non, mais là, je le vois, là. C'est totalement... C'est freeze. Et là, c'est revenu. Il n'y a aucune raison logique qui explique ça. Hein. Aucune. Oh, c'est horrible. Oh, j'aurais dû envoyer Batista. Là, je suis... Je suis dégoûté. Je suis totalement dégoûté. Oh mince, on va pas tuer. Ok, fait rebond. On va faire une boréale dans le vide. Ah, la paralysie en plus. Chier. On va essayer une boréale. Il fait feu sacré, ça va faire 3 pixels de vie. Ah, un peu plus ce coup-ci. La petite paralysie des familles. Stop là, stop. Ah mais sérieux. 12, 3 paralysies de suite, mais jamais de la vie. Oh. On serait revenu à la première génération là. Je sais même plus combien il fait de dégâts. Ouais, il fait pas grand chose, il fait quoi, 17? Ouais, 17. Heureusement que j'ai un gros décalage avec le stream. Voilà, allez. Merci, monsieur Noirfang. Enfoiré, la bandeau. Et rebond. Oh, il m'énerve, lui. Allez, on se soigne comme ça, on s'assure de tanker tout ça. Ah ouais. Mais c'est pas possible, ça. Non, mais sérieux, quoi. Et quand je réutilise un objet, mais oh là là. Bon, je pense qu'on va pas aller plus loin. Voilà, un coup critique, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Il fait que rebond maintenant. Allez. Puis là, je vais te paralyser. Heureusement. Lac Messi. Ah, mais sérieux !
C'est quoi ces probas de merde là que j'ai? Moi je tape toutes les paralysies du monde et lui son bandeau il est actif chaque tour. Normal. Mais sérieux. Allez dégage. Allez. Bon, au moins ce qui est bien c'est qu'on va monter niveau 20 avec avec notre ami MVP. Est-ce qu'on tente le coup? Parce que là il reste quoi là? Bon là on peut pas y aller. Allez on essaye au moins de faire cet étage. Il nous reste ce dresseur là. Et je pense que ce sera le dernier. Ensuite j'irai au centre Pokémon. Et puis on va arrêter là le live. Hein, parce que là c'est bon. C'est incompréhensible. Il n'y a aucune raison pour que ça ait déconné comme ça aujourd'hui. Je suis désolé pour Tidorfa qui au final l'accueil a été pourri. Voilà, ça me fait chier. Parce que voilà, un raid, quel qu'il soit, il mérite un meilleur accueil que ça. Enfin voilà. Ouais. Là, je. Honnêtement. Vivement que je change de machine là et je. Si ça me touche là. Et alors là, il y en a un, il passe par la fenêtre. Le bandeau qui se lance à chaque tour. Quelqu'un aussi peut me rappeler la probabilité de bandeau. Normalement, c'est du 10%, 15%, pas plus. Allez, recoupes. Recoupes, on va envoyer MVP. Je suis même pas monté de niveau avec... On va essayer de le faire monter de niveau quand même, Batista. Et là, il nous sort tranchère. Bah, allez, soyons fous. Il sort au coq, c'est bien. Une bonne idée. Je crois qu'avec Batista, depuis qu'il est paralysé, sur 10 tours, j'ai bien eu 6 tours de paralysie. Hein. Voire 7. Et on finit avec Mimitos. Très bien. On va renvoyer MVP qui va prendre de l'expérience. On va envoyer Chris Jericho. Hein. Il a colère. Il est en colère. Voilà. Bon, voilà, au moins on a réussi à faire ça. Ah bah non, il y a Gros Tas de Morve. J'avais oublié lui. Gros Tas de Morve... Ah ouais, il peut empoisonner. Il peut empoisonner. Donc on va envoyer Chris Jericho. Ah, détritus, ouais. Oh la vache, en plus il augmente sa vitesse. On va envoyer Maître Idole. Hein. Oh putain. Je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts. Non, mais sérieux. Sérieusement. Instant poison, détritus qui a 30% de chance de faire du poison. Sérieux. Ah, ils vont quand même niveau 42, même si on a divisé l'expérience. Il apprend gros yeux, mais... Oh, l'attaque pourrie. Bon. On va le dire officiellement, ce stream a été pourri aujourd'hui. Allez, on va se soigner. Je vais me remettre devant le bâtiment. Voilà. Puis j'ai coupé là. C'est quasiment une heure plus tôt, mais là, ça veut pas. Même si là, voilà, le stream il lag plus. Je ne sais pas pourquoi le stream ne lag plus maintenant. Et j'y comprends rien. Honnêtement, j'y comprends rien. Là, pourquoi aujourd'hui ça déconne à plein tube. Impossible à dire.
même temps, j'aurais bien avancé aussi un petit peu parce qu'on a, on a pas avancé quoi. On a fait qu'une putain d'arène quoi. Bon. Voir si je peux pas racheter s'il y a pas des hyper potions là qui se baladent au moins avant de couper. Et non, non, c'était pas là, non, c'est pas la bonne maison. Bon, on va quand même leur parler. Hein. Ouais. Ok. D'accord. Ils donnent rien, eux ? Non, ils donnent rien. Ok, ils sont juste là pour taper la causette. Voilà, c'était là que j'aurais dû aller. Ça aurait été beaucoup plus simple pour les soins. Alors, je vais garder mes objets en vente. À vendre, pardon. Bon, on essaie de continuer encore un petit peu. Encore un petit peu. Là, ça a l'air de tenir au niveau du stream, donc on va rester là-dessus. On va monter à l'étage supérieur. Il y a quelques dresseurs à se faire. Faut vraiment que j'espère juste qu'il n'y ait pas un Pokémon qui a piège ou un truc comme ça. Sinon, je suis Bah, je suis dans le caca. Voilà. Allez, 4 Pokémon. Et ça commence par Regirock. Très bien. On va envoyer Batista. On va pas prendre de risque. Surf, ça devrait faire l'affaire. Même si c'est pas le point fort de... C'est ça qui est un peu dommage. Pas le point fort de Batista, l'attaque spéciale. Hein. Voilà, parfait. En fait, séisme, j'aurais pas dû la prendre à Matridol. Après coup. Meganium. Ok, donc là. Ouais, bah ça va être. Ça va être Roman Reign. Hein. Allez, Roman Reign. Oh, le coup critique. On va récupérer quelques PV. Et par contre, j'espère avoir de la chance sur les Pokémon statiques. On n'a pas eu sur le premier où c'était... C'était du coup Ronflex remplacé par Mini-Draco. Mini-Draco qu'on avait déjà utilisé sur un jeu précédent. Donc on pouvait pas le capturer. Et j'espère qu'on aura plus de chance. Et mais je vais peut-être attendre la Master Ball avant d'aller... avant d'aller le récupérer. 23, il est niveau combien? 36, ouais, non. Non, l'écart est beaucoup trop important. On va envoyer Batista. Batista, surf. Ampleur 8. Ça va faire quoi? 20-30 PV, ça? Ouais, c'est ça, 20 PV. 20 PV. Et Tentacool pour terminer, on va renvoyer MVP. Déjà niveau 23, plutôt pas mal. On va envoyer Jericho là. Ça on évite un empoisonnement. Voilà, force cachée. Ça devrait tanker ça, oui, large. On va faire mégaphone. Parfait. Pas beaucoup de points d'expérience, mais au moins, voilà, ça permet un peu de faire progresser tout le monde. C'est un PNJ. Ah, ok, c'est un téléporteur. Là, ici, je crois que c'est un autre téléporteur, donc on va monter à l'étage suivant. Tac, tac, tac. Un dresseur ici. Un objet. Et
clair, mais donne-moi un truc qui tape, quoi. Donne-moi un truc qui fait des dégâts. Éclair, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi? Allez, Corailon. Corailon, on va lui envoyer Roman Reigns. Et là, il nous sort bizarre. Canicule. Ça va, c'est l'opposé de bizarre, ça va. Allez. Allez, point d'art. Ah, one shot, ça. Ça donne l'expérience. Allez. C'est vipère. Ok, on va faire ça. J'espère qu'il a pas piège une connerie comme ça. Je l'espère très sincèrement. Tac, on va faire ça. Ok, on tank. Salut Maxime, comment tu vas? Très bien. Tauros. Ouais, oui, Tauros, par contre, ça va être. Ok. Voyez Matt Riddle. Voyez Matt Riddle en espérant que ça passe. Gros bisous. Écoute, ravi de la prendre, Maxime, excuse-moi. Je suis dans une situation où ça se passe pas bien aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Je vais reset la liste, hein, donc n'ajoute rien encore, Maxime. Je vais reset. Je crois que je l'ai même déjà reset. La vitesse extrême aussi. Passer au coq. Bah voilà. Bien sûr, il est profondément endormi. Heureusement, on a acheté des hyper potions. Là, on va remonter à full life. Il va nous refaire vitesse extrême, oui, bien sûr. Ça a un avantage, c'est qu'en fait, il est en train de griller ses vitesses extrêmes. Voilà, faut voir le côté positif. Il dort profondément, bien évidemment. Et par coup de vent. Et ben voilà, on se réveille enfin. Je pense que je vais pas avoir le choix la prochaine arène, faut que je monte niveau 50 tous mes Pokémon. Hein. Très bien, donc je pense qu'il y aura une grosse séance de farming. Va falloir booster là. Allez, Rosabis pour terminer. Ce qui est bien, voilà, c'est que MVP là on l'a monté niveau. Assez rapidement on l'a monté niveau 25. Que. C'est assez cool. Seul truc que je vois qui peut faire laguer le stream, c'est la cam. Je sais que j'ai fait une modif de config sur la cam. Oui, Maxime, oui. Voilà. Sur la liste, oublie. Tu es la reset. Je vais le faire ce soir. J'ai oublié de le faire hier. Je vais la reset pour la semaine prochaine. Oui, bah oui, parce que sur la liste, forcément, t'étais le dernier. Et que j'ai dû faire un ex au lieu de faire Next Smash dimanche. Et c'est pour ça que c'est toi qui es listé. T'en fais pas. Je vais reset la liste, donc je le ferai ce soir ou demain. Voilà. Et comme ça, tu pourras remettre ton niveau. Ah, merde. J'avais oublié qu'il était là, lui.
J'espère qu'on va pouvoir passer ce combat sans trop d'encombre. 3 Pokémon, ça commence par un Donphan. Donphan niveau 38. On va switch Batista. Hein. Batista, on va faire surf. Ah, j'ai cru que c'était autre chose. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Dansefleur. J'ai cru que c'était Dansefleur qui l'avait fait. Là, j'étais pas bien. Parce que, alors, même si c'est spécial... Ah, Megavolt qui s'est échappé, malheureusement. Oh, bah lui aussi, l'Absorbo, tiens. Bon, on va diviser l'expérience, hein, c'est pas grave. Hein. Roman Reign. Tiens. Allez, point d'art. Ah, ça tue pas. Il a la trouille. C'est vrai que ça peut apeurer cette attaque. C'est vrai que ça peut apeurer. Il a un objet aussi. Alors qu'il a boosté sa vitesse. Ah non, il la reste aussi. On va jouer sécure, on va jouer point. J'ai cru que ça ratait. J'ai cru que ça ratait. Oui, tant que je fais pas next. Car regarde, si je fais next, pour te le montrer. Et là, ça va faire laguer le stream. Voilà, bingo. Un en aïe pour roi. Hyporoi. Ok, on va switch sur en vrai sur Rikishi. Hein. La danse Draco, ça pue cette histoire, ça pue. Je vais lui faire flash. Hein. Je vais lui faire flash. Non mais... C'est vraiment 50% de chance de réussite cette putain d'attaque, c'est pas possible. Oh, c'est flash dont on parle, hein. C'est pas... Et les canons. C'est pas... Dynamo point. C'est flash. Et ça rate une fois sur deux. Voilà. Là, il suffit de dire ça pour que ça réussisse. Comme quoi, ça aide des fois de s'énerver. Ouais, non, mais là, ça marchera pas. Le A de la liste est vide. Par contre, là... Ouais, on va prendre des dégâts. On va prendre des dégâts. Pour moi, là... Je pense que, ouais, bon, on va pas tarder à couper. J'ai prolongé un petit peu par rapport à... Bah voilà, ouais, bien sûr. Bien évidemment que j'allais me prendre des dégâts. J'aurais dû l'anticiper. Donc on va soigner. Voilà, on va soigner. Là, il y a Danse Draco. Donc là, le mec, il a plus 3, plus 3. On va essayer. Il fait le team à point qui rate. La confusion qui saute. Osmerang qui tue. Eliporwa vaincu. Voilà. Et maintenant on a Metalos. Metalos qui, je le rappelle, a déguisement. Qui va juste nous emmerder. Juste. On va quand même essayer. Batista, il est quasi full life. Ouais, on va partir sur Batista. On va partir sur Batista. Pied pour metteur, donc ça on devrait le tanker. Normalement il y a au moins une résistance. Ouais, large. Très large. On va faire surf. Ça le met mid life. Passe en type haut. Point météor qu'on va retanker. Voilà.
Et il booste son attaque de plus 1. Ça, c'est embêtant. Et il va se soigner. Non, il y a... Ouais, bon, des restes, ça va. Étincelle, ça devrait finir le travail. Très bien, niveau 26, on monte petit à petit. Ok, combat terminé. Ce que je vais faire, en fait... On va faire ça déjà, comme ça, si jamais je fais une bêtise, on va faire Ecoq. Alors, on va faire sur lui. Pas que je fasse de bêtises, par contre. Ok. On va faire une hyper potion. Ça, c'est pratique, par contre. Je fais ça, voilà, boum. Et après, je gère avec mes objets de soins. Ça permet d'économiser un petit peu. Alors, pas grand mot, pas non plus... voilà, on va pas économiser non plus... Tout un tas d'objets, mais ça permet d'économiser quelques objets. Voilà, pour remettre l'équipe un peu d'aplomb. Alors Mikey, je suis désolé. Je sais pas ce que ça donne là sur le stream, si ça lag ou pas. Et là, je vais couper. Je vais couper, c'est... Ah non, ça tourne nickel. Bon. Ce que je te propose, Mikey... Je sens que le stream va laguer, mais c'est pas grave. Mickey-Bazouane lance la roue de la torture. Et là. Je te propose. Ouais, mais regarde. Tu vas voir, je vais lancer la roue de la torture, ça va laguer. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Ce que je te propose, c'est qu'on va essayer. On voit sur quoi on tombe. Si on tombe sur une récompense qui dure une heure, je te rembourse. Voilà. Si on tombe sur une récompense qui dure une demi-heure, je te rembourse. Si on tombe sur une récompense qui dure un quart d'heure, je te rembourse pas. Allez, on essaye. Ah, mais là ça lag. Sur quoi on va tomber? C'est une récompense d'une demi-heure, c'est la récompense orange. La récompense orange, c'est... Faut combler le trou de la sécu. Le problème, c'est qu'il va falloir 3000 ans pour que l'overlay se mette. Bon, allez, on tente le coup. J'ai lancé le chrono direct, j'ai pas modifié l'overlay. Je vais pas modifier la commande. Ouais, on va le faire comme ça, direct. L'effet en cours, c'est il faut combler le trou de la sécu. Je vais pas prendre le risque de refaire laguer le stream. D'accord. Donc là, j'ai lancé le chrono, d'accord. Il y en a pour une demi-heure, donc pendant une demi-heure, je rappelle, alors je vais quand même au moins jouer la commande. Ça fera une petite lagouille, mais ça passera. Il faut combler le trou de la sécu, qui est une commande à 7000 points de chaîne habituellement, que je vais jouer, voilà. Et je ne validerai la commande que si on va jusqu'au bout de la commande. D'accord, Mikey? Si on va pas jusqu'au bout de la commande, je ne la validerai pas. Donc du coup, je te rembourserai les points. Donc, cette commande, je rappelle... Voilà, là, ça lagouille. Voilà, ça relagouille. J'ai fait 3 trucs sur mon PC. Et c'est reparti en sucette. Donc, je rappelle quand même la commande. Au cas où. Pendant 30 minutes, tout soin sera payant. Les soins dans les centres Pokémon seront payants. Ça, c'est revenu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me soigne, comme ici dans un centre Pokémon, je devrais payer l'équivalent d'une Pokéball. Le prochain soin, ce sera x2, encore x2 au troisième soin, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que au bout de 2 soins, je payerai 400 Pokédollars. Au troisième soin, ce sera 800 Pokédollars. Au quatrième soin, 1600, 3200, 6400... 12800 et ainsi de suite. Donc je vais faire tout de suite justement la manip. J'ai fait un soin.
je vais du coup acheter une Pokéball ou un équivalent. Si un équivalent à 200 Pokédollars, il n'y en a pas ici. Donc je vais dans une ville qui a des Pokéballs en vente pour revenir après à Safrania. Azuria, normalement, il y en a. Et ensuite, on va retourner, du coup, faire les étages. Je sais même plus à quel étage on était. Voilà. J'achète une Pokéball. Il faut vraiment que je l'achète. Hein. C'est pas si j'en ai en stock, j'en jette une. C'est j'achète la Pokéball. Et je la jette dans la foulée. Donc là, je l'ai achetée. Je la jette dans la foulée. Voilà, terminé. Là, j'ai payé mon dû. Je n'ai plus d'ardoise auprès de la sécurité sociale. Voilà. Et je vais pouvoir retourner du coup dans le bâtiment. Et il me semble que c'est niveau 34. Hein, Hippotrempe en Hippocéan. Je vais y arriver. Il me semble que c'est niveau 34. Et du coup, vu que j'ai mis l'option pour faciliter les évolutions impossibles, logiquement, il devrait évoluer vers le niveau 40 en Hipporoi pour le coup. Voilà. Moi, j'étais troisième étage. Hein. Je vais vérifier. Je crois que j'étais là. Je l'ai battu. Hein. Oui, je l'ai battu. Oui, il s'est pris sa petite raclée. Lui aussi. Ok. On monte à l'étage suivant. Ok, donc là, il y a ce dresseur-là. Il n'a pas l'air commode. Ok, donc lui... faire comme ça, on va le battre, on va s'en occuper lui. Ok, ça commence par un Germignon. Germignon niveau 43, c'est à peu près le niveau de nos Pokémon. On va envoyer. Je vais essayer Krigérico. On l'a pas fait beaucoup combattre lui. Il est en colère, le Germignon là. Ah, dommage. Dommage. Ok. On va faire aéropiquer. On va pas prendre de risque parce que là, il a boosté son attaque spéciale de plus 2, donc pas de risque. Merci Mikey pour la contribution au mode expert. Mendiena. Allez, on envoie MVP. Je crois qu'il a que deux Pokémon lui, hein, si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est niveau 43. Ouais, enfin oui, bah, j'ai surtout souffrir sur le mode expert. Hein. Il faut s'en rendre compte parce que le mode expert, j'ai tombé sur des dingueries. Hein. J'ai tombé sur des niveaux de fou. Hein. Faut s'en rendre compte, hein. Après, j'ai prolongé du coup l'objectif, mais je me demande si je le recrée pas. Mais vu qu'il y a des gens qui ont contribué, je veux pas non plus que ce soit perdu, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que quand t'as créé un objectif comme ça, tu ne peux pas le modifier. Tu peux pas le revoir à la baisse. Et c'est un peu dommage. Parce que tu peux dire, bon, allez, je mets un objectif, puis après tu te rends compte, ouais, non, c'est déconnant. Allez, je le baisse un petit peu, quoi. Et ça, tu peux pas le faire. Donc là, on a ce monsieur qui est un dresseur, en fait. Je pensais que c'était juste un pauvre employé. En fait, non. C'est pas du tout un pauvre employé. Il y aura Roselia. Un Rapion dans le chat pour ceux que ça intéresse. Canon. Ouais, ça fait quand même 5 de dégâts. C'est pas négligeable. Allez, un aéropique. Voilà, parfait. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même pris un petit peu d'expérience aussi sur nos autres Pokémon. Oh putain, on a Latias. On va tenter de lui faire gagner l'expérience à ce MVP. J'espère juste qu'il n'a pas une attaque de type plante. Honnêtement. Là...
il la tranche. C'est pourri, il a une attaque de merde en plus. Il a possessif. Ça veut dire que potentiellement on a une attaque en commun. Et comme par hasard, c'est Onde Boréale. Comme par hasard. Bon, après, il fait pas de dégâts, mais... Sur les 4 attaques que j'ai, la seule que j'ai en commun, c'est Onde Boréale. Faut le faire. Hein. Franchement, faut le faire. Ok. Le poison, il nous reste plus que ça de toute façon. Hein. Ok, voilà, il va souffrir du poison. Il va sûrement déclencher un objet. Non, il déclenche pas. Ok, il nous a fait 3 tranches, 4 tranches même. Et nous, on a réussi à le mettre en difficulté. MVP qui va passer niveau 27. Ça, c'est bien. Goélise. Ok, Goélise. On va envoyer MVP. On est toujours trop light hein, pour que MVP commence à taper de lui-même les Pokémon en face. Et je vais mettre Chris Jericho. Même si ce sera pas beaucoup d'expérience, voilà, comme ça ils vont petit niveau 30, 44. C'était un coup critique ça? Bah tiens, mégaphone. J'aurais dû faire rayon lune, comme ça j'aurais pu imiter les objets que j'allais utiliser. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire un petit coup de soin via Matt Riddle. Matt Riddle qui est à la fois soigneur et destructeur. Voilà. Non. Bah si, oui, si, je suis bête. C'est ça que je voulais faire. Voilà. On s'est bien remis. On va utiliser une hyper potion. Heureusement que j'en ai acheté d'ailleurs de ça. Voilà, comme ça on monte full life. Il y aura que Batista qui sera un petit peu voilà, affaibli, mais ça ira. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, j'ai baissé le son de l'émulateur. Est-ce que c'est mieux au niveau du son pour vous? Parce que c'est pas trop fort. Ou au contraire pas trop faible. Parce que du coup, moi j'ai pas le retour. Bon, je verrai après avec le replay, mais. J'ai baissé le son de l'émulateur, peut-être faudrait que je remonte justement le son du jeu. Là, je vois qu'il est assez faible, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, Fantominus, on peut essayer. Jericho. Ok, bon, on va tanker ça. C'était un coup critique, ça. Alors là, pour le coup, c'est ridicule, hein. Très bien. Bon, toujours. Oh, Brazegali. Oh là. Oh, Brazegali. Aïe, aïe, aïe. Combat feu. Bon, après, ça fout pas très élevé. Il y a sable volant en plus. Je vais switch. Honnêtement, sans sable volant, j'aurais. Ouais, non, même pas. 60 PV, il me fait une attaque combat, il me désingue. Désingue complet. Ah non, même pas, je prends le risque. Batista, surf. Ok, bon. Je regarderai sur le replay si je vois que c'est... C'est un coup tic. Oh là là. Je regarderai quand même le replay parce que je voudrais voir ce que ça... Là, pour moi, c'est plus agréable. J'ai le bon son sur les alertes aussi. Là, du coup, j'étais obligé de baisser le son du casque et j'entendais quasiment plus les alertes, donc c'était un peu embêtant. Donc là, j'ai le bon son de partout. Je vais laisser comme ça pour l'émulateur. Megapi, ok. On va remettre MVP qui a Absorb Volt. Il y a toujours sable volant. Et je regarderai, si besoin, je remonterai au niveau OBS. Je remonterai un petit peu le son du jeu. Pour qu'on l'entende quand même un petit peu, quoi. Que ce soit pas non plus en mute, quoi. On va faire ça. Hein. Je vais pas prendre le risque d'envoyer Batista parce que là, il était assez faible en HP. Et tourniquet en plus. Parfait. C'est parfait.
faut que je vois par contre ce qui va pas, quoi. J'ai eu beaucoup trop de soucis aujourd'hui. Alors après, s'il y a un autre truc si, que j'ai changé, parce que je pense que c'est suite à une mise à jour d'OBS, c'est la capture justement de l'écran, là. Oula, Fridor qui vient de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que t'as compris, Fridor? Qu'as-tu compris? Non mais j'ai eu même la transition, elle est live. Et du coup pour merde, je sais pas comment il s'appelle là. Pour Peter, ça a un lien avec quoi? Et pour notre ami merde, ah, c'est pas Koga là pour le coup, c'est Mars. Le Musclor là. C'est quoi le lien? Ils sont où les liens? Ils sont où? Aucune idée, franchement, Fridor, aucune idée. Ah, quand même. Même ça, ça lag. Même ça. Non, pas Olga. Non, non, pas Olga. Aldo. Voilà, il est où le rapport avec Aldo? On va essayer ça. Spécial, ça. Ça va. Ça va, ça va. On va faire un mégaphone. Parfait. Rayquaza, normal! Normal, Rayquaza, normal, normal. Tout à fait normal. Voilà, le mec. Un petit Rayquaza, tiens. Tiens, moi, je suis le sbire de base de la Team Rocket, je te sors un Rayquaza. Normal. Peut-être, peut-être qu'il y a une inspiration. Hein. Non mais après, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y a une inspiration. Oh putain, il a Cyclone en plus. Oh bah, même voilà, il a mis Matridle, voilà. Et tant pis pour lui. Hein. Fallait pas faire Cyclone. Fallait pas faire Cyclone. Fallait pas. Il reste un quart d'heure à la commande. Ouais, c'est ça, un quart. Ah, mais Bando, mais non, mais pas à chaque fois, monsieur. Pas à chaque fois. Voyons. Ah, bah voilà. Ton allié t'a tué. Allez, on va se soigner un petit peu. On avance quand même malgré tout. On avance malgré tout. Allez, on va faire un petit coup de soin en priorité sur Batista. On va en faire un second sur Batista. Ouais, il est presque full life. Avant de faire une bêtise, je vais me soigner ici. Là, en gros, au final, en faisant ça, hein, juste pour à titre d'information, en faisant ça, j'économise en fait une hyper potion. Concrètement, c'est ce que j'économise. Parce que là, je vais en refaire un deuxième ici. MVP, on va pas le soigner. Voilà, là où il m'aurait fallu 3 hyper potions pour les remettre d'aplomb, bah, j'en ai fait qu'une. Que 2, pardon. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que c'est l'effet sur la caméra qui fait laguer. Ça demande un traitement vidéo, tout ça. Hein. Ok. On va se le faire, lui. Un petit Dracolos pour démarrer. Tranquille. Et crachant.
On va envoyer Batista. On va envoyer Batista. Le sacrifice qui a raté. Léon de Borel. La pointe glace. Je vais te geler. Moi je dis gel. Non, ça va. Pas de gel. Allez, x4. Ça va le mettre au moins mid-life. Ouais. J'avais prévu. C'est laser glace, ça aurait pu tuer. Mais ouais, il fait onde boréale. Ça devrait faire à peu près le même nombre de dégâts que j'ai reçu tout à l'heure, voilà. Un petit peu moins, même. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, Dracolos. Là, on va prendre max, max d'expérience, là. Ouais, 1003, ouais, ça c'est bien, ça. Mentali, ça par contre, j'aime moins, ça, Mentali, parce que ça tape le spécial, et j'ai pas de tank spécial. Pas de tank. Il y a Roman Reigns. Hein. Nickel. Perfect. Il pouvait pas faire la. C'est la pire connerie qu'il pouvait faire même. Tu fais rafale feu sous la pluie contre un Pokémon de type eau ou un Pokémon de type dragon, c'est la pire connerie que tu puisses faire. Alors là, chapeau. Voilà, on voit que c'est la Team Rocket, ils connaissent pas leurs Pokémon. Voilà, et en même temps, ils viennent de les avoir, hein. On leur a donné juste avant le combat, donc les mecs, ils ont pas eu le temps d'étudier les capacités du Pokémon. Hein. Allez, niveau 29. Ah, coup croix, ça m'intéresse un peu plus. Ouah, c'est physique, mais ça peut être pratique. Est-ce qu'on garde... Ouais, Vibraquoi, Danseplume... Danseplume, on s'en fout en fait de Danseplume. Quoique, j'aurais peut-être dû le garder, ça peut être utile. Voilà. Merci monsieur. Nous vous raquettons de vos quelques Pokédollars. Et nous avançons. Allez, Eucoque. Allez, hop. Je vais voir un truc. Ça me tracasse, là. Ça. Non, je suis sur un pré-réglage, quoi. Sur un pré-réglage de la caméra, quoi. Oh, bah, j'ai fait la connerie. Je sais pas si vous m'entendez encore. Ouais, non, je suis sur un pré-réglage de la caméra, donc c'est même pas la caméra, quoi. À moins que ce soit du coup FaceTime, mais je l'avais déjà la semaine dernière. Je comprends pas. Alors, on a la carte magnétique, ça c'est pas mal. Alors, on l'utilisera. On l'utilisera la semaine prochaine. Hein. On va la garder en attendant cette carte magnétique. On l'a battue, voilà. Ouais, faut que je me refasse tous les étages quoi. Je suis à quel étage là? Quatrième étage. Je ne sais plus combien il y a d'étages dans cette tour. Il nous reste une dizaine de minutes. Et ici, est-ce qu'on n'a pas un objet qui traîne? Non, on a des dresseurs de Pokémon. On a des rookies de la Team Rocket totalement enragés. Et ouais, c'est là où après. En vrai, je vais retourner aux étages inférieurs. Je vais retourner aux étages inférieurs parce que s'il y a des dresseurs à battre, autant faire les étages inférieurs. Alors, on va retourner premier étage. Est-ce qu'on peut utiliser la carte magnétique ici? Là, non. Pas besoin. Là, non plus. Là, ici, oui. Nous avons un dresseur. Et ici, qu'avons-nous? Qu'avons-nous ici? Que dalle. Nous avons une personne totalement apeurée. Ah bah, vas-y, prends, donne-moi.
coup de crâne. C'est moyen. Pas, c'est pas nul. Pour être honnête, c'est pas nul, coup de crâne. Mais c'est moyen parce que c'est une attaque en deux temps, donc voilà. C'est Alors après, l'avantage, c'est que ça booste la défense. Est-ce qu'à la limite, je la prends pas à... non, pas MVP. Mince. Je sais plus comment je l'ai appelé. Est-ce que je la prends pas à Chris Jericho ? Il y a un Pokémon de type normal, donc il a le stab. Voilà. En vrai, Chris Jericho, ça peut être fier de lui apprendre. Oh, on a des restes. Alors là, on est sans scrupule. On va donner ça. À Matt Riddle. Matt Riddle. À Rikishi, pardon. Et on commence avec Spoink, niveau 38, on va switch. Séance tenante, on va essayer écrire Jericho, normalement ça devrait passer avec lui. Dépit. Il est dépité parce que ça ne marche pas. Voilà, mégaphone. C'est le chaos, voilà. Écrire Jericho qui, doucement, mais sûrement, s'approche du niveau 44. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en ayant fait comme ça l'expérience de MVP, bah, au final, comment dire, les autres ils progressent moins vite. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce qu'en vue de la prochaine arène qui sera sûrement. Moi, pour moi, la prochaine arène, elle sera proche des niveaux 60, quoi. Et là, ça va commencer vraiment, mais véritablement à piquer, là. Ah, il est anti-bruit. Ça, c'est embêtant. Et voltige. C'est embêtant aussi, mais on tank. On va faire force, hein. Force, ça devrait... Mais j'aurais dû... Je dois faire aéropique, là. Je dois faire aéropique... Mais 100 fois, voilà, maintenant on a Hypnomade, on a le sosie de Poleman. Pas mieux que le sosie de Poleman, il va nous taper, donc on va mettre un Pokémon qui est full life. Hein. On va mettre un Pokémon qui est full life. Roman Reigns, il devrait tanker un peu les attaques du Nomade. Voilà, Psycho. Ah, 39 PV quand même, mine de rien, ça fait mal. Mine de rien. Allez, vol. Là par contre, non, ça va pas faire le one shot, ça va lui faire des dégâts. Ah bah si, ça one shot. Je ne pensais pas que ça l'aurait one shot. Elle. Combat terminé, du coup, on va faire un petit coup de soin quand même avec. Non, pas du tout comme ça. Avec Matt Riddle. Et ici aussi, voilà. Et là, on va essayer peut-être plutôt d'utiliser des super potions. Pour éviter de griller notre stock d'hyper potions. Heureusement que j'ai Ecoq, hein. Sinon, putain, le nombre d'allers-retours au centre Pokémon que j'aurais fait. Là, ça aurait coûté très très cher. Allez, on passe à l'étage supérieur. Là, on va ouvrir un petit peu toutes les portes. On aime bien fouiller un petit peu. Là, y a rien. Ok, là il y a une série d'objets là. Série d'objets, qu'est-ce qu'on va avoir? Poudre énergie. Antipara, le sac est plein. Au mystique, le sac est plein. Alors, on va devoir se débarrasser de trucs. Ça, on va jeter tout de suite. Allez hop, dégage. Le rappel max aussi, on aurait pu le vendre, mais on va le jeter. Allez. Là, on a cette personne qui est totalement. Oui, on a vu que tu te cachais. Hein. Planqué, va. Espèce de planqué. Allez, la carte magnétique qui s'ouvre. Un petit combat de dresseur. C'est bien. Et sont-ils forts? C'est la question.
Ouais, j'ai pas de soucis là. Il y a peut-être eu un ralentissement, mais là, ça a l'air d'aller. Ouais, le stream il continue, Fridor. Là, non, pour le coup, on n'a pas de soucis là. Ah, c'est écrit Jericho. Hein. Ah, si. Ah, non. Non, non. Ça n'a pas freeze. J'ai toujours un décalage de dingue. Voilà. Allez, mégaphone. Ouais, ça arrive. Moi aussi, j'ai des problèmes avec Twitch aussi ces derniers temps. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel total. Allez, ça a pas tué. Il refait balance. On va refaire mégaphone. Au croupi, je suis mort. Aïe 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 aïe, c'est pas passé loin encore là. Allez, on va monter de niveau. On va y Rikishi. Hein? Voilà, acide armure, vas-y, fais acide armure, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Moi je vais faire Osmerang. C'est pas grave, ça fera moins de dégâts, c'est pas grave, on va y aller tranquille. Bien sûr, Osmerang qui rate, bien sûr, bien évidemment. Aromathérapie qui sert à rien, parce que ça va monter quoi? Et ça va monter là. Voilà. Aïe aïe aïe, il va avoir une baie. Il a pas de baie. Il a une baie. Bien évidemment qu'il a une baie. Ah non, il la reste. Et Osmerang. Préscience sur un Nidorino, préscience. C'est pourri. C'est totalement pourri. Allez, niveau 30. Niveau 45 pour Rikishi. Voilà. Il veut apprendre brume. Mais donnez-moi des attaques qui tapent. Je veux taper. Je veux taper, il reste 13 secondes à la commande. Je veux taper. À quel étage là? Troisième étage. On va se faire rapidement le quatrième étage. Je sais qu'il y avait une ou deux portes à ouvrir. Voilà, le chrono, hein, ça vient officiellement de se terminer. La commande est terminée, du coup je vais valider. Ça va laguer, vous en faites pas. Voilà, et j'ai Twitch qui déconne. Ah mais... voilà. Voilà. C'est tout bon, on est revenu. En vrai, là par contre, une super potion sert beaucoup plus vite. Voilà. Bon, on est revenu, mais c'est incroyable. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Que Skitty, qu'est-ce qu'on peut jeter contre une que Skitty? Allez, améliorator, hop, on jette. Voilà. C'est pas un dresseur, lui. Ok. On a une porte aussi ici qui nous amène juste vers un téléporteur et un objet qui est. Détritus, la CT 47. Encore une CT de merde. Voilà. Il me semble que l'étage au-dessus, on ne l'a pas encore fait. Voilà, on ne l'a pas encore fait celui-là. Donc, je vais retourner au centre Pokémon. Là, c'est de nouveau gratuit. Hein. Je suis désolé, Mikey. Hein. Je ne sais pas si t'es encore là. Je viens de voir qu'il vient de lancer. Et du Mario RPG en plus. Ceux que ça intéresse. Voilà, moi je vais arrêter là. Je suis désolé de la qualité du stream. Voilà, aujourd'hui c'était pourri. Je vais redémarrer la machine. Voilà, là ça s'est mis à laguer. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Je ne touche à rien.
Ah voilà, là c'est... C'est pourri. Honnêtement, c'est pourri. Allez, on sauvegarde. Je vais remettre devant la scope. Faire ça, on accélère un petit peu le temps. Tac, la scope ça lui fait. C'est non, de l'autre côté, c'est là. Voilà. On va faire ça. On sauvegarde encore une fois. Et là aujourd'hui, c'était la grosse merde en termes de qualité, faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Direct Goyo. Voilà, je vais vérifier. Ok, on est tout bon. J'arrête l'émulateur de ce pas. Voilà. Je vais en profiter mon fichier et la salag. Parce que Hippotramp, du coup, utilisé. Voilà. Hippotramp, il est où Hippotramp? Ah, il est là. Bah, j'ai complètement oublié de le noter, bah voilà. Donc en vrai, j'ai oublié de le noter la semaine dernière, Hippotramp. Voilà. Parmani. Voilà, c'est bon, je l'ai bien mis. Un coup de lag. Ça aussi on ferme. Changement de scène. Alors attends, parce que ça non, ça c'était ok. Attends, celui-là je suis en train de faire du ménage aussi. Ça aussi, voilà, c'est que. J'arrête les enregistrements. Voilà. Allez, placez dans la corbeille. Voilà, celui-là faut que je le garde, j'en ai besoin pour après. Passer dans la corbeille. Bon, on a eu 4 relances. Enfin, c'était. Voilà, stream un peu compliqué aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps. Là. Ça arrive de temps en temps. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je suis vraiment désolé pour la qualité aujourd'hui. Au niveau du raid, moi j'avais l'intention de raid Mikey. Je vois pas de commande utilisée. Je vais regarder quand même qui est en train de stream. Au cas où il y aurait d'autres personnes. Il y a Gnoménin. Il y a Poto aussi. Ouais, Poto, je l'ai déjà raid la semaine dernière, je crois. Ouais, je l'ai déjà raid la semaine dernière. Il y a Veno aussi. Alors, Veno, peut-être demain, s'il est encore en stream, vu qu'on fait du Smash, ce sera mieux. Ouais. Ça joue entre Gnome et effectivement, ou Mikey. Mikey qui fait du Super Mario RPG. S'il y en a que ça intéresse. Et là, ça fonctionne normal alors que je suis en train de bidouiller sur mon écran. Des fois, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, c'est bizarre. Bon, soit. Petit Nightcore là, tiens. Un bon Nightcore de Level Nerd. Ça permet de recharger les batteries. Bon, allez, ouais, on va aller chez Gnome. Allez. Normalement il faut utiliser la commande, mais bon, vu que voilà, je viens de le voir et puis Mikey, c'est vrai qu'on la raid, on la raid pas mal. Gnoménin, on l'a moins raid, donc allez, on va le raid Gnoménin. Normalement c'est tout bon. Allez hop, le raid est lancé. Si vous voulez gagner des points, n'hésitez pas à rester. Encore merci à tous. Je vais essayer de lancer les crédits. On va faire ça avant. Hop, tu fais crédit. On demande crédit live. On va voir si ça se lance là. Il n'y a pas de lag là. Voilà, là je lance le crédit, il n'y a pas de lag alors que je bidouille à côté. Tout va bien. Allez, c'est pas grave. On va oublier tout ça en espérant que demain ce sera mieux. Un grand merci à tous. Merci du coup à Maxime d'être passé. Surtout merci à Fridor, le modérateur. Merci aussi à Mikey. Merci à. Qui d'autre qui est passé? Merci à qui d'être passé? Merci aussi à Omega 7. Merci surtout aussi à Tidorfa pour le raid et pour le follow.
Voilà, merci à tous. Malgré la qualité, vous êtes restés, c'est très sympa. J'espère que demain ça ira mieux, j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux, et j'espère aussi que le changement de machine arrive très vite pour qu'on puisse améliorer la qualité de tout ça. Parce que là, voilà, je suis un peu dégoûté, c'est pas ce que je veux faire, et voilà, ça se sent, ça s'est senti sur la fin, j'étais pas content. Allez, bonne soirée à tous et surtout, bon kayabou.